Wesh, wesh, petite bande de zouaves. Bonjour, c'est Maléfique, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, bah écoutez, comme un petit vieux, hein, avec un vieux squelette. Il fait pas très beau aujourd'hui, il pleut, alors il se peut qu'effectivement, bah, vous me voyez un peu plus. Enfin, un peu moins bien que d'habitude, hein, forcément, dû au fait du temps qu'il fait. Bref, aujourd'hui, alors je voulais faire une petite vidéo. Justement, une vidéo pour notre ami Flyrider. Je ne voudrais pas souhaiter, même si je connais ton vrai nom, par respect pour toi, évidemment, en tant que youtubeur, puisque je te respecte, donc je t'appellerai Flyrider. Je m'adresse aussi à toi, à tes amis, hein, pas que spécialement à toi en particulier. Ce serait plus également aussi à Jérôme, à Rodriguez, à Juan Branco, etc. Et tous tes amis, et évidemment à ta communauté de boulistes. Sans vouloir te manquer de respect, ni à toi, ni aux gilets jaunes. Hein. C'est une caricature et je vais venir. Alors, je voulais te dire que ce que tu fais, d'accord, puisque tu es donc toi le représentant des gilets jaunes, alors ce que tu fais sur le fond, je suis entièrement d'accord. C'est ce que je dis des fois dans mes vidéos, même si elles sont un peu exagérées, un peu caricaturées, je te l'accorde. Mais sur le fond, tu as entièrement raison, et je suis à 200% d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu ailles dans la rue pour revendiquer des choses parce que tu en as marre du coût de la vie, parce que tu en as marre du prix de l'essence, etc. Tout à fait normal. C'est tout à ton honneur et c'est tout à l'honneur de chaque individu d'entre nous de le faire. Le problème est que, au bout d'un moment, quand ça fait l'acte 50, 45 et tout ça comme tu fais, t'as toujours pas compris que ça sert à rien ce que tu fais, pas sur le fond, hein, mais sur la forme. Alors, si tu veux faire quelque chose, faire des actions fly, je te dis honnêtement, je te dis ça pas qu'à toi, quand je dis fly, hein, quand je te dis à toi, c'est je prends Jérôme Rodriguez, Juan Branco avec toi, tous tes potes. Hein. Je vous dis simplement, si vous voulez faire de bonnes actions, réfléchissez sur quel point il faut attaquer. Est-ce que le fait d'aller faire ce que tu fais tous les samedis avec tes copains les boulistes à Paris, est-ce que ça va changer les choses? Je parle sur ton confort. Je sais, Fly, personnellement, que tu as une femme, tu as une fille. Tu penses à leur avenir, ce qui est tout à fait normal. Je serai à ta place, je penserai la même chose que toi. Bon, est-ce que tu veux, je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que tu veux donner un bon avenir à ta femme et à ta fille, ce qui est tout à fait légitime. C'est pour toi, pour moi, puis pour n'importe qui d'entre nous. Bon, mais je vais revenir à ce que je te disais, ce que tu fais donc sur la forme, pas sur le fond, parce que sur le fond c'est très bien de. Je suis entièrement, je te le dis, je te le répète et j'insiste là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fond de la chose. Sur la forme, tu vas pas. Parce que c'est pas en continuant à faire ce que tu fais tous les samedis, c'est bien de ne pas relâcher le mouvement, c'est très bien, parce que ça prouve qu'aussi on est peuple, on est là pour se défendre, on est là pour dire quelque chose et on ira jusqu'au bout. Très bien, là-dessus, entièrement d'accord. Mais c'est toujours le problème, c'est que c'est sur la forme que ça ne va pas. Réfléchis bien. Donc, je reviens à ce que je te disais. Si tu veux toucher, donc, Macrouille et sa bande de bras cassés, ils sont au pouvoir, c'est pas en allant jouer en boule tous les samedis. C'est sur le plan pognon, tu vois. Parce que toi-même, tu le dis dans tes vidéos, lorsque tu fais des lives, tu le dis toi-même dans tes vidéos, que tu en as marre que le gouvernement taxe. Et je suis entièrement d'accord avec toi parce que je suis dans la même situation que toi. Et moi aussi, j'en ai marre que le gouvernement me taxe. Même si je suis à l'étranger, provisoirement, on va dire, j'ai quand même, comment dirais-je, j'ai quand même des revenus en France et je suis taxé pareil. C'est pas parce que je suis en Grèce, aux Philippines ou n'importe où, je suis quand même taxé, que tu le veuilles ou non, puisque en France, j'ai aussi des revenus en France. Bref, on va pas parler que de moi spécialement, mais. Je vais revenir à ce que je te disais. Alors, si tu veux arrêter d'être taxé, comme tu le dis, d'accord, il faut que tu touches Macrouille, sa bande de bras cassés, sur la corde sensible. Alors, comment on fait? Excuse-moi, café, et je te réponds après. Comment fait-on? Eh bien, c'est très simple. Du lundi au vendredi, tu prends tes boulistes avec toi. Tu les emmènes à la Banque de France. D'accord? À la Banque de France, ce qui va se passer, vous allez rentrer. Vous allez prendre vos pourris. D'accord? Vous allez les changer et vous allez changer en francs.
les francs, je te parle des francs de 2000, je te parle pas les anciens francs, les pièces trouées, tout ça. Non. De plus, Fly, tu es, sauf erreur, tu me diras si je me trompe, hein, mais sauf erreur de ma part, il me semble que tu as 30, une trentaine d'années, donc tu as quand même connu les francs, d'accord? Je crois que tu as 31 ou 32 ans, hein. Mais bon, peu importe. Mais juste pour dire que tu as connu les francs, donc tu sais ce que c'est que les francs de 2000, d'accord? Tu connais les francs, sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos concernant les francs de 2000, donc si tu as un problème, tu me le dis. Je pourrais t'envoyer une vidéo ou alors tu vas sur ma chaîne et juste par curiosité tu regardes. J'ai déjà fait des chaînes sur les francs de 2000. J'ai déjà fait plein de vidéos dessus. Donc, tu vas avec tes boulistes à la Banque de France, tu échanges les pourris pour avoir des francs. Tu fermes les comptes bancaires et tu demandes à tes copains les boulistes de se faire payer. Pas forcément fermer les comptes bancaires, mais. Tu demandes à tes amis boulis de se faire payer en francs et d'ouvrir un compte en francs. Et là, quand Macrouille, sa bande de bras cassés, verront qu'on les attaque sur le point sensible, donc ton pognon, et qui verra qu'il ne pourra plus y toucher parce que informatiquement, ben, ça va bugger, puisque toi, tu auras des francs, tu auras un compte à la banque en francs, mais lui, il va vouloir te ponctionner en euros. Et là, ça va bugger. Et quand il va s'apercevoir qu'il est tout seul avec sa bande de bras cassés à se continuer à, comment dirais-je, à faire un cuni à Mamie Merkel et donc il sera tout seul avec ses euros et que le peuple français aura les francs, il va dire, attends, il y a un bug là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Français, qu'est-ce qu'ils font là, ils changent de monnaie, tout ça. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle des choses, ils ne t'écoutent pas. Ni toi, ni tes potes, les boulistes. Enfin, je t'appelle les boulistes, mais que je dis et je le répète, c'est une caricature. Ne prends pas ça au premier degré. Parce que je le dis et je le répète également, et je maintiens mes mots, je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond. Donc voilà. Donc, tu dis à tes amis boulistes qui viennent avec toi à Banque de France, même si la Banque de France te trouve l'excuse, n'en veut pas, machin, par contre, tu fais sur le bon taux de change, tu connais le taux de change à 6,55, 957. Te fais pas enfler en achetant pour 20 euros un franc, quoi. Tu leur dis, attendez, hey, un franc, d'accord, j'ai dit un pourri, c'est 6,55, 957. C'est pas un pourri pour un franc, c'est pas. Bon, merci, ça pourri pour un franc, à la limite. Mais. Non, ça ne vaudrait pas le coup de toute façon. Ça ne vaudrait pas le coup parce que après, quand tu feras la transaction et pour après le coût de la vie, ça. Non. Ça, non. Donc, un pourri pour 6 francs 55 957. Donc, plutôt tu le connais, si tu as bonne mémoire. Bref, donc une fois que tu as récupéré tes francs, tu le dis toi-même dans tes vidéos, par toi-même, tu dis, au lieu de se faire chier, aller dans les multinationales, on n'a qu'à travailler avec des producteurs locaux et des agriculteurs du coin. Aller leur acheter leurs produits directement. Eh bien, tu prends tes francs, tu vas voir ton producteur, ton agriculteur du coin, tu lui demandes, tu lui expliques les actions que tu es en train de faire en disant, voilà, afin de... depuis des semaines et des semaines, je suis dans la rue avec mes boulistes, Macron, il ne veut pas nous écouter, et puis il n'en a rien à secouer. Donc on a décidé d'attaquer sur la corde sensible, on attaque sur l'économie. On a décidé de faire une opération nationale en France pour revenir au franc, d'accord? Et suite à ça, eh bien, nous cherchons des partenaires, soit des commerçants, des artisans, des petits commerçants, qui accepteraient les francs, justement, pour contrer le pognon, la corde sensible à Macron. Parce que là, après, quand il ne pourra plus te toucher, ni à toi, ni à tes amis boulistes, ni à qui que ce soit, même à moi aussi, là, il va commencer à réfléchir. Et là, il va commencer à écouter le peuple. Mais tant qu'il pourra te siffler ton pognon par n'importe quel moyen, tes revendications, tu peux gueuler dans la rue avec tes boulistes, avec un million de boulistes tous les samedis, tes revendications, il n'en a rien à secouer. Ce qui l'intéresse, c'est ton pognon, Fly. N'oublie pas, c'est ton pognon. Tes revendications, mais il s'en tape la godasse, mais à un point, tu peux même pas t'imaginer. Alors, vas-y avec tes boulistes, mais attaquez sur le plan économique. Voilà Fly, j'espère que
mon point de vue. Je te demande pas d'être d'accord avec moi. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je t'explique simplement mon point de vue. Voilà. Et c'est valable aussi pour toi, Jérôme Rodriguez, pour Juan Branco et toute la clique. Voilà, qui tous les samedis, à la limite, ça m'attriste quelque part. Ça m'attriste parce que vous utilisez votre temps, votre énergie pour essayer de faire de bonnes actions, pour essayer de réveiller les gens, pour leur faire ouvrir les yeux et ouvrir leurs oreilles de façon à ce qu'ils voient, qu'ils écoutent, qu'ils analysent par eux-mêmes. Et ça ne sert strictement à rien. Donc, quelque part, ça me fait mal parce que je vois, quand je vois des gaillards comme vous qui justement essaient de faire changer les choses en appelant au rassemblement de tous les citoyens pour essayer de faire des choses concrètes, essayer de changer justement les conditions de vie, que ce soit sur le confort, que ce soit sur le travail, que ce soit financier, etc. Et vous n'y arrivez pas, et depuis ça fait au moins presque 50 actes que vous allez faire et qui ne servent strictement à rien. Alors, Fly, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi, je te donne mon point de vue, mais s'il te plaît, j'espère que tu auras regardé ma vidéo. Et franchement, eh bien, j'espère que ça t'aura peut-être permis d'analyser des choses, peut-être ça t'aura peut-être donné des idées concrètes pour faire des actions. Quoi qu'il en soit, moi aussi, je suis prêt à me bouger le cul parce que tu vas me dire, ouais, c'est facile, tu critiques ce que je fais, machin. Je ne te critique pas, d'accord? En aucun cas, je me permettrai de te critiquer parce que tu me respectes, donc je te respecte. Et tout ce que je voulais te dire, c'est que voilà, je te demande pas, comme je te disais, je ne te demande pas d'être d'accord avec moi. Chacun a ses idées, je les respecte. Tu as le droit d'être totalement opposé à mes idées. Mais sur le fond des choses, je veux la même chose que toi. Nous sommes d'accord. Tu veux changer les choses en France, et moi je veux changer les choses en France aussi. Donc sur le fond, on est ensemble. Après, la forme peut dériver, parce que on n'aura jamais le point de vue, on ne pourra jamais être d'accord sur tout à 100%, ce qui est tout à fait normal. Mais sur le fond, tu veux changer les choses et moi je veux changer les choses aussi. Donc voilà, essayons de travailler la main dans la main pour développer des idées ensemble, en partageant tes idées, en partageant les miennes, en partageant celles de Jérôme Rodriguez, de Juan Branco, etc. De façon à pouvoir tous ensemble en faire réfléchir à une solution qui pourrait nous permettre effectivement d'être tous ensemble, tous amis bouddhistes, enfin, caricaturés amis bouddhistes. Parce que je vous dis ami bouddhiste, parce que pour dire que je suis quand même avec vous malgré tout, même si je ne suis pas avec vous sur la forme, je suis avec vous sur le fond. Bon, tous ensemble justement, moi y compris, aller faire le bouddhiste avec vous dans la rue le samedi, d'accord? Mais pour faire des choses concrètes, d'accord? Du lundi au vendredi, moi j'y vais pas le samedi. Enfin, je pourrais y aller samedi aussi si vraiment il y a quelque chose de concret. Mais je parle en priorité, j'irai du lundi au vendredi faire des choses concrète, pas le samedi. Voilà Fly. Donc j'espère que cette vidéo t'aura peut-être fait un peu cogiter, d'accord? Du moins, je te dis pas que j'ai raison, que ça va être l'Eldorado, que j'ai la science infuse. Je ne me permettrai pas de dire cela. Mais j'espère qu'en tout cas, ma vidéo t'a apporté quelques idées. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Je ne me permets pas, je ne me juge pas, je ne juge personne. Je dis simplement que, essayons de trouver des idées ensemble entre chaque youtubeur. Justement, nous avons un potentiel aujourd'hui d'être sur YouTube, de se faire connaître, de nous faire connaître par des gens, que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit n'importe quel autre youtubeur. Donc, essayons de travailler justement ensemble, main dans la main, de faire passer des idées, d'accord? Et tout en étant ensemble, et eh bien, même si nous avons des idées différentes, essayons d'accrocher nos idées. De faire un peu comme si vous voulez, comme si vous voulez, comme on dit, se raccrocher aux branches, entre guillemets, essayer de coller quelques petites branches ensemble, avec du bien, du moins bien de chacun. Et je pense que si tout le monde fait cela, on pourra tous trouver un compromis et là vraiment tous se rassembler pour vraiment faire changer les choses. Voilà. Donc, en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, ma petite bande aux oeufs. Je vous dis wesh wesh ZX, soyez heureux, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toutes et à tous de m'avoir d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, vous abonnez à ma chaîne, vous appuyez sur la chaîne de notification qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps normal.
Vous pouvez également, j'en profite par la même occasion pour vous dire que vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Fly Rider et puis appuyer sur la cloche de notification également. Vous êtes les bienvenus chez Fly Rider et vous êtes les bienvenus chez moi aussi. Donc en attendant, moi je vous fais PanzDX et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et Fly Rider, eh bien merci également à toi de d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que mes idées, même si tu ne seras pas en accord avec elles, pourront quand même te permettre de réfléchir et peut-être de développer tes propres idées à toi aussi. En attendant, à bientôt, bonne journée et salut, mais on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Allez, wesh wesh, petite bande de zouaves, c'était maléfique.